Yo les gens, c'est Lopo, et aujourd'hui, on va faire un top 10 des meilleures images de Donkey Kong, parce que comme vous le savez tous, j'ai été sélectionné pour jouer dans le prochain film Mario, en tant que Donkey Kong. Numéro 10. Moi j'aime bien l'image de Donkey Kong Albinos, parce qu'au fait, elle reflète l'image de notre société actuelle, avec les hommes blancs privilégiés, car en fait, pour mieux s'intégrer Donkey Kong a dû peindre ses poils en blanc, pour ainsi trouver un travail plus facilement, que s'il était noir et qu'il se serait appelé Mamadou. Je vais avoir des problèmes à, mais au moins je pourrais mettre Mamadou dans les tags. Numéro 9. Celle-là je l'aime bien, parce qu'en plus que le gars c'est un giga chadé trop BG sexy avec ce masque, ça lui permet aussi de ne pas se couper le bout du nez en se rasant parce que oui, je me suis coupé le bout du nez en me rasant, alors abonnez-vous pour me soutenir, car mon opération de réparation nasale va coûter cher, et moi j'aime bien l'argent. Numéro 8. J'adore cette image, parce que j'ai déjà cette peluche et du coup je peux garder mon argent, car je n'ai pas besoin de l'acheter, et en plus, c'est un pigeon, un abonné je veux dire qui me l'a offerte alors merci les abos. Numéro 6. Elle est en top 6 parce que, sur l'image il y a la cravate de Donkey Kong et moi je la veux trop. D'ailleurs en parlant du loup, numéro 5. Voilà. Cette image est trop bien car dessus il y a la cravate que je veux, sauf que je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter, alors faites des dons bande de gros fils de pute. Numéro 4. J'aime bien ce PNG là car c'est un fan poster du jeu dieu de la guerre, et tout le monde sait que Donkey Kong c'est le dieu des bananes, comme la dernière fois où il s'est fait voler ses bananes, Donkey Kong il a utilisé ses pouvoirs divins pour enculer le méchant, et je parle de enculer dans le sens frappé, et pas dans l'autre, espèce de gros dégueulasse, tu veux te battre? Numéro 3. Celle-là elle est tellement bien que... Regardez, je vais juste vous laisser ma réaction. Quoi? Tu es en train de me dire qu'il y a des tables où je peux... Je peux boire pour oublier ma vie de merde 1700€, et je peux jouer à Donkey Kong dessus. Attends c'est une table bornée d'arcade. Attends quoi? Hein, mais attends mais... C'est... Je veux ça. Et c'est ainsi que j'ai fait de nombreuses recherches Google sur les NFT, pour pouvoir acheter cette image. Numéro 2. Regardez Donkey Kong, il a un énorme cul. Et enfin, la meilleure de toutes les images Donkey Kong. Alors si je trouve que cette image Donkey Kong c'est la meilleure, c'est pour trois raisons. Déjà parce qu'il y a moi dessus, et ça c'est une excellente raison. Puis parce que ce chapeau m'a été offert par Tartine et du coup je n'ai pas eu à acheter ce chapeau et j'ai donc pu garder mon argent. Et enfin parce qu'en bas, on peut voir que je parlais à la cuisinière qui vivait chez moi, en lui disant qu'on avait un problème. C'est parce que j'avais un problème, en fait en jouant à un jeu vidéo de merde pour vous, j'étais pas content, et donc j'ai tapé sur mon bureau en verre qui s'est cassé, et du coup j'ai dû perdre de l'argent pour en racheter un autre, et du coup j'étais triste, et c'est donc pour ça que j'espère qu'en mettant cette image en top 1, et je ne parle pas de Fortnite, je pourrais le mettre dans les tags, j'espère que je pourrais me faire assez de YouTube monnaie pour récupérer tout l'argent que j'ai perdu. Sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien.